Alors, concernant votre première question, les manifestations telles que projetées pour demain, lorsque vous voyez les motifs, c'est contester les élections. Alors que j'ai dit, nous nous sommes engagés dans un jeu qui a des règles, nous devons respecter les règles jusqu'au bout. De sorte que s'il y a quelqu'un qui veut sortir des règles, il viole la loi et il trouvera les forces de défense et de la sécurité de notre pays devant lui. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas cette marche-là. Tout simplement parce que ça ne cadre pas avec les contextes, ça ne cadre pas avec les processus, ça viole les dispositions légales qui prévoient que la contestation des résultats s'est faite devant la Cour constitutionnelle ou les tribunaux compétents. Et donc ici, il faut quand même faire un petit rappel, parce que vous ne pouvez pas, je le disais il y a quelques jours à Mulega justement, nous sommes dans un match. Vous ne pouvez pas quitter le terrain quand l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. C'est aussi ça le fair play. Vous ne pouvez pas contester les résultats des élections alors que les résultats en question ne sont pas encore connus. Sur quelle base vous allez contester? Parce que la contestation voudrait, et c'est pour ça qu'on parle de contentieux, que vous venez le moment venu opposer vos résultats si vous estimez que les résultats qui sont sortis ne sont pas conformes. Et donc ici, il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Encore que des possibilités justement des contestations sont prévues par la loi. Et d'ailleurs ici, je salue la prise de position que vous avez tous vue de différentes chancelleries ici qui appelaient les uns les autres à la retenue et à suivre les déroulés de la publication de résultats. Nous n'avons pas arrêté de vous alerter ici que beaucoup préparaient plutôt la contestation que les élections. Et là, nous sommes dans un processus, et c'est pour ça qu'il est important que vous tous vous puissiez regarder la différence que ces processus ont des processus précédents. Moi, j'étais au G13, nous avions milité pour la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que la CENI le fait ou la CENI ne le fait pas? Alors, il faudrait quand même que nous-mêmes, on ne nous s'autoflagelle pas, parce qu'ici, c'est la République démocratique du Congo, sans nous regarder des camps l'un dans l'autre. Évidemment qu'il y avait des difficultés, parce que ces 100 000 candidats, vous tous, vous avez voté comme moi, ça vous a pris 3-4 minutes, le vote. Mais regardez les files qu'il y avait, c'est tout à fait normal. Mais encore qu'ici, il faut noter que les Congolais ont fait preuve de beaucoup de patience. Les gens auraient voulu que les gens se battent devant le bureau, les gens auraient voulu qu'il y ait des incidents, mais vous étiez avec nous à Kinshasa ici. Combien d'incidents on a noté par rapport aux millions de Congolais qui s'étaient mobilisés pour prendre l'exemple de Kinshasa? Et donc ici, il faut que les uns les autres, les opposants ou les autres candidats, considèrent que nous devons finir le processus, en tout cas jusqu'à la proclamation des résultats des provisoires. Et les moments venus, s'ils veulent recourir ou contester, qu'ils contestent suivant le voie légale, tel que le VPM l'a dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Devrais-je comprendre que votre message d'aujourd'hui, c'est pour dire non à la manifestation des opposants, la marche des opposants, vous ne l'autorisez pas? Deuxième question, nous constatons la militarisation de la ville de Lubumbashi. Pourquoi? Une dernière question, il y a eu des actes de vandalisme lors des opérations électorales, en fait du vote du 20 décembre dernier. Combien de personnes ont déjà été interpellées des auteurs de ces actes de vandalisme? Oui, madame, je l'ai dit, la manifestation de demain a pour but de mettre à mal les processus électoraux engagés et le gouvernement de la République ne peut pas accepter cela. C'est logique. Leur démarche ne repose sur aucune légalité. Donc, il s'agit d'un acte désespéré des gens qui se sentent peut-être perdants, alors que la CENI n'a pas encore publié les résultats. Ils prennent les devants pour faire ce qu'ils ont toujours souhaité, c'est-à-dire contester et rendre les pays ingouvernables. Aucun gouvernement au monde ne peut accepter que cela se produise sur son territoire. Donc nous n'allons pas nous laisser faire. Par rapport à la militarisation, je venais de répondre, madame, il ne s'agit pas de la militarisation, il s'agit du déploiement de nos forces armées sur l'étendue de la République.
Je vous ai dit que nous en avons formé plusieurs. Il est maintenant temps de les positionner pour sécuriser nos territoires. Il ne s'agit pas d'une crainte quelconque, de quelque chose qui se produirait à Lubumbashi ou dans les grands Katanga. Il s'agit du déploiement stratégique comme ça se fait dans toutes les armées du monde. Par rapport à ceux qui ont posé des actes de vandalisme, effectivement, il y en a qui sont aux arrêts. Et j'ai instruit qu'ils soient déférés devant la justice et je pense que leur procès aura lieu et vous serez informés. Son nombre de combien? Ben, je n'ai pas les chiffres exacts puisqu'on les arrête au fur et à mesure. Il y en a dont on a attrapé en flagrant délit, que je connais personnellement, et d'autres encore, il faudra qu'à la fin on me fasse un rapport pour que je sache ils sont au nombre de combien. Et sur le même sujet, si je peux me permettre, vous avez suivi le président de la CENI lui-même, je pense, communiquer pour dire qu'au niveau de la CENI, il y aura des enquêtes. Il y aura des enquêtes qui seront diligentées en interne pour savoir ce qui s'est passé. Et ici, d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que beaucoup des agents de la CENI sont pris pour cible par les hommes politiques de toutes parts, d'ailleurs. Parce qu'ils ont des rendez-vous avec des machines, parfois c'est des machines qu'il faut ramener, etc. Ici, il y a une grosse vigilance. Et l'essence même de la communication de ce jour, c'est non pas pour, comme vous aviez posé votre question tout à l'heure, c'est pas pour dire que la manifestation de demain n'est pas autorisée, mais c'est pour faire le point de la situation générale du pays. Ça, c'est la première communication du gouvernement après la tenue des élections. Donc, il était de notre devoir de venir fixer les Congolais dans le strict esprit de redevabilité tel que nous le faisons. Ici, il faut attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité pour tout le monde de respecter le matériel électoral et de veiller à la sécurité et l'ordre public. Pour l'exemple, il y a des mesures qui seront prises du côté du ministère de l'Intérieur, mais je pense aussi que du côté de la CENI, en tout cas, si nous devons nous référer à ce qui a été dit, il y a des conséquences qui seront tirées, notamment peut-être sur certains candidats. Et donc, l'idée ici, c'est de nous assurer que nous tous, finalement, nous fassions preuve de civisme. Candidats, agents électoraux, etc. Ce n'est que de cette manière que nous tous, nous aurons concouru à voir un jeu électoral assaini et propre. Je voudrais ajouter quelque chose. Peut-être les gens ne font pas très attention. Dans la nouvelle loi électorale, il est prévu des sanctions pénales à l'endroit de toute personne qui porte entrave au bon déroulement du processus et surtout aux agents de la CENI. Ici, je voudrais demander à tout candidat qui se sent lésé de faire constater les faits par un OPJ compétent et au moment opportun saisir la justice sur les plans pénals. On peut obtenir même les dommages et intérêts sur base des actes que les uns et les autres auront commis, c'est-à-dire les agents de la CENI comme des candidats eux-mêmes. Il y a possibilité aujourd'hui de poursuivre chacun devant les juges pénals pour des faits commis pendant ces processus.